On a une expression en espagnol. Tu l'as peut-être déjà entendue. C'est plus que « ma maison est ta maison ». C'est aussi le foyer et la famille. Horizon et le Mexique, c'est la famille. Bienvenue dans ton nouveau chez-toi. Et bienvenue à tous dans le test éclairé et argumenté de Forza Horizon 5. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour découvrir ensemble mon avis sur le dernier né de chez Turn 10 et de chez Playground Games. Il s'agit de la sortie de ce mois de novembre. Avant de retrouver la critique de son grand adversaire en mars prochain, Gran Turismo 7, on s'attaque aujourd'hui à Forza Horizon. Alors je dis ça pourquoi ? Parce que on le sait, lorsque Microsoft sort un Forza, qu'il soit Motorsport ou Horizon, eh bien on sait qu'on peut compter au moins un an avant de pouvoir retrouver un numéro suivant dans la série, on va appeler ça comme ça, même si le Forza Motorsport 7 commence maintenant à grandement dater et aurait bien besoin d'un successeur. Alors, on va comme d'habitude dans ces tests passer en revue différents éléments du jeu avec des chapitrages que vous retrouverez en description de la vidéo. On attaque tout de suite avec la présentation, la fiche d'information. Ce jeu est donc édité et développé, je vous l'ai dit, par Playground Games, un studio qui appartient à Microsoft Studios, qui a été racheté il y a quelques mois et qui, associé à Turn 10, propose la série des Forza Horizon, je précise, donc Turn 10 c'est Forza Motorsport et Playground Games c'est Forza Horizon. Il est sorti le 9 novembre 2021, c'est-à-dire aujourd'hui. Il est recommandé en PEGI 3 ans et plus. Il faudra prévoir 107 Go de mémoire pour l'installer sur votre disque dur si jamais vous jouez sur console ou sur PC. Le jeu propose un total de 520 véhicules, et je dis bien véhicules, à la sortie de ce jeu. Il y aura l'audio en français et en textuel. À noter quelque chose d'exceptionnel et qui je trouve devrait être obligatoire dans bon nombre de jeux, une traduction des dialogues en langage gestuel, et Dieu sait que c'est important. Bien joué sur ce coup-là de la part des développeurs. Le jeu, vous pouvez le retrouver sur PC, donc sur Steam, bien entendu, ainsi que sur Xbox Series X et Series X, mais surtout une version Xbox One et One X que je n'ai pas pu tester. Je ne sais pas vraiment ce que ça va donner, mais en tout cas, le jeu est également dispo là-bas. Trois versions, l'édition standard à 69,99€, l'édition deluxe à 89,99€ et l'édition premium à 99,99€. Et cette édition à 100€ vous propose d'avoir des DLC d'accueil, la map du jeu et d'autres avantages premium comme des crédits et du contenu. Je pense que vous savez désormais tout ce qu'il y a sur la petite boîte. On va maintenant passer à la première partie. Il s'agit de la réalisation. C'est parti. Il était primordial pour moi de débuter ce test avec l'un des plus grands atouts du jeu, la qualité de sa réalisation. Alors vous allez découvrir des images pendant que je parle de la version PC qui est certes propre avec ma configuration que vous retrouvez en description de la vidéo. Mais malgré tout, la qualité de réalisation proposée sur console est beaucoup plus adaptée. Alors bien évidemment, ils travaillent sur une machine qu'ils connaissent avec des composants connus de Microsoft. Ça aide bien entendu à ce que le jeu soit un peu plus optimisé que sur le PC de monsieur et madame tout le monde. Alors bien entendu, les images parfois peuvent avoir un peu de clipping, un petit peu de blur, mais ça vient sans doute de ma configuration qui, si elle est relativement correcte, puisque tout le monde n'a pas la chance d'avoir une dernière génération de cartes graphiques et une machine mise à jour, soyez vigilants quand même sur les spécifications minimales pour avoir une expérience crédible et assez globale de ce que peut proposer ce jeu. Alors, bien évidemment, dans la réalisation, on va aller étape par étape dans cette partie du test, en commençant par la navigation dans les menus. Un sacré foutoir, hein, il faut le dire quand même, on doit s'y retrouver. Si c'est le premier Forza Horizon que vous touchez, il va falloir vous familiariser avec ce système de tuiles où parfois, lorsque l'on veut un menu, on ne peut pas y accéder tout de suite parce que, par exemple, je veux acheter une voiture, je dois retourner jusqu'au centre Horizon. Donc c'est un peu compliqué parfois de se dire, allez, je veux juste faire ça, ça prend deux secondes, il faudra quand même retourner dans une partie du jeu, etc. et fouiller dans les menus. Comme à l'habitude, on est très récompensé en termes de contenu à la sortie du jeu, même si Forza Horizon 4, à la fin de son existence, si on peut l'appeler comme ça, proposait près de 700 véhicules. Ici, on est à 520 de base, sans compter les DLC et les premières extensions de précommande.
Ça nous propose déjà un très beau panel de voitures qui sont débloquables par différents billets. Alors soit vous les achetez, bien entendu, soit vous les gagnez par différentes possibilités en suivant un nombre de défis, en vous battant face à d'autres drivatars ou encore tout simplement en tirant la Wheel Spin Chance, en gros une roue de la fortune qui vous permet de débloquer soit un élément de personnalisation, soit du crédit, de l'argent, des klaxons, etc. ou un véhicule. Et force est de constater que vous allez gagner une grande partie de votre garage via ces Wheel Spin. Les voitures en double peuvent être revendues, bien entendu. Alors, c'est un peu plus dans le gameplay, évidemment, de parler de Wheel Spin, mais ça fait partie un petit peu aussi de l'environnement. Et on peut constater que les différents terrains de jeu sont vraiment englobants. On est au Mexique, je ne l'ai pas précisé, vous l'aurez sans doute reconnu. Mais là où Dirt 5 avait tenté de faire quelque chose de très similaire, rappelez-vous Dirt 5 avec ce côté bariolé, un petit peu street art, etc. Ici, c'est beaucoup mieux dosé. On sent que c'est un studio plus important, évidemment. Mais la mise en condition de la map est juste géniale. Alors, elle n'est pas forcément beaucoup plus grande que dans Forza Horizon 4, mais elle est un petit peu plus variée, puisqu'on retrouve des secteurs où on a une longue autoroute, évidemment, qui traverse la map, c'est un peu la base dans un Forza Horizon, mais on retrouve aussi des terrains accidentés, boueux, de la jungle, des montagnes, un peu de neige, un peu de plage, bref, il y a 6 environnements qui sont vraiment très complets et qui permettent de s'y retrouver, et vous allez devoir implanter le festival dans ces différents environnements. Ce sera votre rôle en tant que leader du festival, avec la co-organisatrice, votre cousin Ramirez et tous les autres. Vous allez devoir impliquer les différents environnements du monde dans le Festival Horizon. Alors pour le faire, c'est très simple, vous aurez des missions de reconnaissance qui vous demanderont de faire un quota de points grâce à des glissades, de la démolition ou d'atteindre une certaine vitesse, un certain saut, etc. etc. Et vous allez le faire en compagnie de personnages qui vous accompagnent dans les cinématiques. Et pour la première fois, vous n'êtes plus seul à bord de votre voiture. On a une réelle application beaucoup plus importante du lore et des personnages. Bien sûr, on retrouve, comme à son habitude, les fameuses radios qui sont toujours là. On y reviendra dans la qualité sonore du jeu plus tard. On ne manque pas non plus d'avoir des caméras qui nous mettent vraiment au cœur de l'action, que ce soit les caméras poursuite, les caméras première personne, qui sont désormais deux. Une qui se situe dans les yeux du pilote, très habituelle bien entendu dans les Forza, mais une nouvelle fixe posée juste derrière le volant, qui sera très agréable si vous souhaitez jouer au volant, ce qui est tout à fait possible bien sûr avec ce jeu jouable au volant et à la manette. Vraiment, l'intégration de cette caméra de base dans le jeu est vraiment plaisante et c'est très bien vu puisque ce jeu se vante aussi d'être agréable au volant. L'interface. Alors on a parlé du menu qui était vraiment assez compliqué, complexe et complet, peut-être trop débordant d'informations. L'interface est assez claire et nette. Quand vous avez un bonus, un avantage, une évolution de votre niveau de jeu, tout s'affiche dans le bas de l'écran. Toutes vos prouesses, vos améliorations et vos bonus gagnés au cours d'une course s'affichent en haut, en jaune. Et sur le reste, les informations sur la gauche qui vous sont données en guise de rappel, un peu comme un mémo. Vous retrouvez les informations lorsque vous êtes en course habituelle, position, tour et les assistances ainsi que le compte tour. Paramétrable aussi au niveau miles par heure, etc. Vous pouvez tout adapter à votre guise. Ce que l'on peut aussi mettre en avant, c'est le système ANA et le Forza Link. Alors ANA et Forza Link, c'est un système qui complète la technologie Drivatar qui était née il y a quelques épisodes et qui vous invite à vous mettre tout simplement dans une session multijoueur et à côtoyer d'autres joueurs en même temps sur la map. On peut être 16 à jouer ensemble. Et ANA, donc votre assistant de navigation naturelle audio, c'est comme ça qu'elle est baptisée, vous appellera même par votre prénom, une sélection de prénoms très agréable puisqu'on retrouve le mien, ce qui n'est pas le cas dans Formula One par exemple. Mais voilà, vous avez une sélection de prénoms très importante en français bien entendu, et ça c'est vraiment cool pour l'implication du joueur en tant vraiment que personnage central, ainsi que la personnalisation de votre personnage. Vous allez vraiment pouvoir avoir une identité réelle qui sera d'ailleurs exacerbée à la fin des courses où non plus désormais le vainqueur est montré sur un podium virtuel, mais bien les 3 premiers pilotes. Ça, c'est plutôt cool.
Comme à l'habitude, on retrouve l'éditeur de livret qui vous permet soit de créer vous-même des calques et donc de personnaliser vos véhicules. On retrouve également la possibilité de télécharger ce que le public partage en ligne avec des créations qui sont plus ou moins contrôlées. Soyez vigilants si vous streamez parce que vous ne serez pas à l'abri de voir sortir quelques organes génitaux en plein milieu de votre nez. Et ça, vraiment, je trouve qu'au niveau de la modération des livrets, il y a toujours eu un problème dans Forza, que ce soit Motorsport ou Horizon. Et là, c'est vraiment encore à surveiller. L'éditeur de livret qui, là aussi, vous propose quelques améliorations intéressantes par rapport à ce qu'on a eu dans le passé, au niveau notamment des body kits, puisque désormais les livrets proposés s'adaptent un peu mieux aux kits prédéfinis. On pousse le vice tout de même à avoir les effets visuels, les effets de météo vraiment réussis, et surtout au niveau des lumières et des dégâts. Bon, les dégâts, ça reste simpliste parce que c'est pas forcément là que le jeu nous attend, mais les reflets au niveau des vitres, les teintes des vitres, l'intégration des arceaux de sécurité, des roll cages, le bruit de la voiture qui évolue, tout cela est fait vraiment avec beaucoup de finesse, au point désormais que lorsqu'une voiture possède une option, que ce soit un toit amovible, décapotable ou autre, on a la possibilité de couvrir et découvrir une voiture. C'est pas grand chose, mais ça fait véritablement le taf. Et voilà pour le Super 7 d'Horizon. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi imperturbable. Voyons si ton prix t'arrache un sourire. Les modes de jeu. Alors là, les modes de jeu, je vais les passer un petit peu en revue avec vous. Je vais faire une simple énumération avec quelques détails. Donc pas de mode carrière, puisque le principe même de tout le jeu, c'est un mode carrière. Alors vous avez des courses de point A à point B avec évidemment des portails à passer. Portails qui sont même là d'ailleurs dans les courses sur circuit. Hein. N'essayez pas de couper, c'est plutôt bien structuré. La difficulté des drive avatars peut être adaptée d'ailleurs en fonction des aides que vous pouvez utiliser ou non. Les courses sur circuit sont au nombre de tours. Évidemment, le nombre de tours est fixe, 3 tours généralement, avec des courses qui durent entre 3 et 5, 7 minutes. Donc c'est des courses véritablement très très courtes qui vous sont proposées. Les missions de découverte et de reconnaissance, vous allez devoir placer des émetteurs pour le festival, découvrir de nouveaux environnements. Et des missions de photographie, il vous sera demandé parfois de prendre une photo avec un élément du décor, que ce soit une statue ou un lieu précis. Également photographier l'entièreté des véhicules, ce qui était né à l'issue d'un DLC de Forza Horizon 3, je pense, de mémoire, ce qui est plutôt pas mal. Aussi une récompense si vous parvenez à capturer les 400 véhicules sélectionnés dans la liste. Une mission donc objectif avec points de longueur et de distance, des courses de dragster où il faudra être le plus rapide, des courses de saut où il faudra aller le plus loin possible, les trésors de grange. Alors les trésors de grange, ça fait véritablement partie de... je pourrais le mettre presque dans la réalisation tellement c'est un features de gameplay qui est vraiment cool. Elles vont apparaître au fur et à mesure de votre expérience, et là aussi c'est là qu'on sent que le détail a été poussé. Vous ne devez plus attendre que la voiture soit réparée par miracle. Vous allez à la découverte de la voiture avec la mécanicienne qui vous accompagne, et ensuite à vous de ramener la voiture sur le plateau. Ça a été fait pour la première voiture que vous découvrez, qui, je vous le spoil, est une coccinelle. Je vous rappelle qu'on est au Mexique, c'est tout à fait normal, avec un petit peu d'histoire, un peu de culture aussi vis-à-vis des voitures que vous découvrez dans le trésor de grange. Quand on avait été en Australie dans un Forza Horizon précédent, on avait aussi beaucoup de culture par rapport aux voitures australiennes, aux Ford Holden, etc. Ici, de nouveau, on retrouve cette capacité à être proche de ce que propose l'environnement et la localité que l'on utilise, qui est vraiment, du coup, justifiée. Des sections de drift, des sections où vous devez faire un maximum de points de dérapage, bien sûr, des zones de flash, des zones de destruction. Vous trouvez le mode Forza Vista qui est pour l'instant très complet. On commence à avoir un intérêt avec ce mode Forza Vista pour regarder sous toutes les coutures nos véhicules. On peut ouvrir les capots moteurs, les coffres, s'installer, démarrer le moteur, allumer les phares. Rien de nouveau sous la comète, mais franchement, ça fait toujours très plaisir d'admirer une voiture que l'on a préparée pendant quelques semaines, voir comment elle se débrouille sous le feu des projecteurs. Le mode photo, alors mode photo particulièrement simpliste, mais efficace. Vous pouvez bien évidemment partager vos photos autour de vous avec vos amis. Petit bémol tout de même, le mode replay qui ne propose toujours pas de vue extérieure. Alors ça, évidemment,
ça ne va pas déranger grand monde. Moi, j'ai un peu plus de mal avec ça parce que vraiment, quand je vois des courses qui pourraient être faites, alors évidemment, ça demanderait un travail exceptionnel au niveau des caméras, mais au moins sur les courses circuits, avoir la possibilité de revoir une course en vue extérieure et profiter de nos livrets, ça pourrait être un petit bonus vraiment sympa. Voilà pour l'entièreté des modes de jeu proposés. Bien sûr, je ne vous passe pas en revue les ultimes défis qui vous sont proposés. Allez les découvrir vous-même. Vous allez lutter aussi face aux personnages principaux dans la trame principale du jeu. Je vous spoil pas, la première mission vous le faites avec une Ford Escort RS Cosworth face à un cargo qui vole au-dessus de vous et des motos, ça tout le monde l'a vu dans la présentation, mais au-delà de ça, d'autres choses bien plus sympathiques vous attendent et jusque-là, jamais la série ne nous a déçus. Autre point important et vital même dans un jeu de course auto, le gameplay, le force feedback, le ressenti. Alors j'ai pris un pied monumental à jouer à ce Forza Horizon 5. Pourquoi ? Parce que bon, j'ai déjà fini tous les anciens, ça s'est éclaté évidemment comme statistique, mais ça a son importance et je retrouve immédiatement ce gameplay efficace, propre, précis, compréhensif que j'adore dans les Forza Horizon. Alors, pas d'évolution dans le gameplay, c'est vrai qu'on est sur une console qui n'a pas de retour de force dans les gâchettes, etc. Mais force est de constater qu'avec un simple pad Xbox One, ou même un pad 360, on s'y retrouve tout de suite. Et ça, ça fait très vite la différence par rapport à un autre jeu. Vous pouvez passer d'un tracteur de camion à une Austin LA, à une Bugatti Veyron, à une BMW Série 3, à une Mazda MX-5, vous n'allez jamais avoir le même feeling. Alors bien évidemment, c'est catégorisé, hein. Chaque voiture n'a pas un contrôle spécifique de son comportement, mais en fonction de sa transmission, si c'est une traction, une propulsion, si elle a plus de poids, si elle est avec des pneus plus larges, on peut régler beaucoup de choses aussi au niveau du tuning de la voiture. Il y a beaucoup de kits qui sont préparés, selon si vous montez différents types de pneus, puisque oui, vous avez des pneus qui sont adaptés à l'asphalte, à la course, au dragster, au drift, au tout-terrain, à toutes les surfaces. Donc, selon la voiture que vous choisissez et ce pourquoi vous la préparez, le feeling est totalement différent. Donc, selon les pneus, le grip est donc modifié en fonction de la météo et de la surface. Je vous invite à prendre une simple BMW Série 3, ce que j'ai fait. Faire une course où vous avez une partie sur asphalte, une partie sur terre. Là où ceux qui ont des pneus tout-terrain vont s'en sortir sur la terre, vous allez être totalement largué. Si vous roulez sans assistance, la gestion de l'ABS, du non-ABS justement, et du traction control est vraiment intuitive et intelligente. Le force feedback, alors j'ai pu jouer avec le volant évidemment sur PC, ça donne de très belles sensations, on ne se pète pas les pouces dès qu'on sort de la piste, le feeling est beaucoup plus mou si jamais vous roulez avec un gameplay qui est orienté off-road, vous pouvez vraiment rouler chill avec une roue ronde, un volant rond sur votre base et bien apprécier du off-road un peu plus technique que vraiment rouler à fond avec un volant de supercars entre les mains. Donc les chocs sont plutôt bien gérés. Pour conclure sur ce gameplay qui est donc efficace, qui est dans la veine de ce que proposait Forza Horizon, je vous invite également à regarder autour de vous l'horizon, sans jeu de mots, et surtout ce qui vous entoure dans votre environnement. Les arbres, les poubelles, les véhicules, les maisons, les murs, les barrières, les panneaux, les signaux, tout peut se détruire, hormis évidemment les énormissimes troncs d'arbres, hein, on ne va pas exagérer non plus, mais comparé à l'ancien Forza, où certains rails étaient indestructibles, ici, en course de côte, impossible de se caler contre le rail dans la montée, on va tout simplement perdre la voiture et jamais on ne la récupère. Donc vraiment, le gameplay, il est efficace, il est correspondant à ce que vous avez connu dans le passé, mais il n'y a pas d'évolution fondamentale. En même temps, comment et pourquoi changer quelque chose qui est déjà très efficace? Je vous le demande, personnellement, moi, ça me satisfait, même si j'ai vu que pour certains, c'était un peu une déception de voir que le gameplay n'avait pas tant évolué par rapport au jeu précédent. Ça y est, la prochaine étape de l'aventure Horizon est fin prête. Ramiro a indiqué les antennes potentielles dans une optique d'élargissement, ainsi que les nouvelles épreuves à déverrouiller. À toi de voir. Où est-ce que tu veux aller en premier ? Avant de conclure ce test, j'aimerais parler avec vous d'un élément qui habituellement prend 30 secondes dans une vidéo test éclairé et argumenté, mais qui aujourd'hui pourrait prendre un petit peu plus de temps. La sonorité. Alors énormément de vidéos sont sorties sur l'un des points les plus importants, le son des moteurs. Et effectivement, comparé à certaines prises de son faites dans Forza
Motorsport et Forza Horizon 4, parce qu'il y a des sons qui étaient récupérés évidemment des autres jeux. On ne va pas enregistrer deux fois la voiture, ça ne sert à rien. On sent qu'ici il y a eu un travail de restructuration du son qui est vraiment intéressant. Alors ça ne se voit pas sur les voitures qui sont transformées, évoluées, parce que le son redevient parfois un peu le même, mais en tout cas de base, si vous prenez une Mercedes classe A, vous prenez un 6 cylindres à plat chez Porsche, vous prenez un 5 cylindres sur une Audi Quattro, vous prenez le W12 ou un V12 d'Audi de Bugatti Veyron ou d'Audi, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Quelle que soit la configuration du moteur, le son n'est absolument pas le même. Si c'est un échappement un peu plus ancien, plus libre, si c'est une admission plutôt... plutôt à injection, plutôt à carbu, bref, voilà, vous avez pas mal de sons authentiques. Moi, j'avais remarqué ça notamment avec la Peugeot 205 Rally, que vous avez dû voir passer dans le test, qui était particulièrement agréable à la sonorité. Des bruits qui sont vraiment authentiques, comme les rotatifs, etc., ont été vraiment retravaillés. Le doublage des voix, ça aussi, c'est quelque chose qui parfois peut faire grincer des dents. On a eu de très mauvaises expériences récemment, et pourtant, ici, c'est du sur-mesure, vraiment. C'est ça l'effet horizon! Bonne chance! Ok, on y va! Fonce sur le panneau danger! Les blagues sont peut-être un peu moins ringardes que ce qu'on peut espérer, donc vraiment le travail proposé fait vraiment jouer complètement l'ambiance. Pas trop intrusive quand vous jouez, quand vous avez le début d'un événement où vous partez du Forza Center, du rassemblement Horizon, et que vous commencez à entendre les radios. Alors on retrouve Bass Arena, etc. Toutes les radios avec les animateurs spécifiques sont de retour, et ça fait vraiment le travail. Vous ne pouvez pas en avoir un exemple dans cette vidéo, puisque merci les DMCA, on va éviter de se prendre des droits d'auteur, mais les radios sont vraiment bonnes, ne vous fiez pas à ce qu'il y a dans cette vidéo. Les bruits des effets météo, la pluie sur le pare-brise, sur la route, les bruits de freinage aussi, les bruits... autour, les bruits de contact font un peu encore tâche, ça fait vraiment boum, tout simplement comme sur un petit jeu arcade. Là c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de travail d'effectuer. L'ambiance aussi des festivals, quand vous avez un avion qui vous passe à 10 mètres au-dessus de la tête, des motos qui gravitent autour de vous, bref, toutes les parties de son qui sont un petit peu hors normes, en dehors du jeu global, vous les appréciez, vous vous dites « Oh tiens, c'est pas mal ce son-là !» Enfin, vous faites vraiment la remarque. Et puis l'ambiance des menus qui est vraiment chaleureuse. Et puis ce côté fête mexicaine incroyable. Alors, c'est pas encore la fête des morts, évidemment, mais on n'est pas non plus tombé dans ce cliché de maracas, c'est absolument terrible, et de masques un petit peu comme dans le film Coco. Mais malgré tout, c'est bien dosé. On se croit vraiment... dans l'ambiance, quel que soit l'endroit où vous êtes, mais voilà, le bruit est vraiment réussi globalement. L'ambiance sonore est particulièrement agréable avec un très bon casque sur les oreilles. Il est temps de conclure ce test éclairé et argumenté de Forza Horizon 5. Bien évidemment, je vous recommande ce jeu, que vous soyez sur PC ou sur console. Il vous faut cette expérience dans votre historique de joueur de jeux vidéo. Même si vous n'êtes pas un passionné de sport automobile, si vous aimez juste les belles voitures, ça peut vous faire passer de très très belles soirées. Un gameplay très convaincant et qui a fait ses preuves. Une ambiance sonore qui est aussi... parfaitement immersive, un côté communautaire entre les clubs, les bagarres avec les drive avatars et l'environnement où vous partagez la carte avec d'autres joueurs à l'image de The Crew, c'est parfaitement bien jaugé. Le jeu est propre, le jeu est stable, l'expérience est unique dans le sens où vous allez avoir quelque chose qui tranche véritablement avec ce qui a été proposé dans les autres environnements de Forza dans le passé. Alors c'est vrai que ça rappelle évidemment la Côte d'Azur, la Californie, l'Australie, bien sûr, il y a toujours des routes, il y a toujours du sable, il y a toujours des arbres, mais globalement, l'immersion est assez propre. On se rappellerait peut-être même un Test Drive Unlimited à l'époque où la série valait véritablement le détour. En tout cas, ce jeu est un console seller, à l'image peut-être de Halo à son époque ou des anciens Forza Motorsport. C'est vrai que chez Microsoft, on a toujours su faire des jeux de voitures qui étaient intéressants. On se souvient des anciens PGR qui avaient fait vendre beaucoup d'Xbox et d'Xbox 360. Ici, on a de tout. Toutes les expériences de jeu proposées sont justes, sont agréables, sont difficiles. Il y a un véritable challenge. Ce Forza Horizon 5 peut être une balade de santé ou vraiment une expérience hardcore, que vous soyez à la manette ou au volant. N'hésitez pas.
Je n'ai pas de lien pour vous recommander le jeu, je n'ai pas de partenariat, je n'ai absolument rien à vous mettre sous le nez comme bon plan, si ce n'est peut-être de guetter les éventuelles promotions. N'oubliez pas que ce jeu fait partie du Game Pass, bien évidemment sur Xbox, donc si vous voulez le tester, c'est peut-être l'occasion de craquer. Merci à tous d'avoir suivi ce test, j'ose espérer qu'il vous aura donné un petit peu plus d'éclaircie sur ce qu'est ce Forza Horizon 5 par rapport à ses prédécesseurs et surtout par rapport au marché actuel. On attendra bien évidemment le prochain Forza Motorsport qui devrait apparaître, on l'espère, d'ici 2 ans. En attendant, amusez-vous bien, prenez du plaisir sur ce jeu. Bon amusement en piste les amis, quel que soit votre jeu de course favori. À la prochaine, ciao.